Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Si je suis à la télévision en ce moment, si je pense l'appréciation de chaque Française et chaque Français. Les Français m'ont accueilli les bras ouverts. Je les en remercie. J'en tiens pour preuve l'excellent élan de générosité qu'ils ont eu à mon égard. Une petite anecdote en passant. Une jeune fille d'autrefois est venue vers moi et m'a dit « Monsieur Valéry, je vous apprécie. » Elle avait raison. D'autant plus raison que j'en suis sûr moi-même. Vous n'en doutez pas, je n'en doute pas moi-même. Bonsoir, nous allons parler du cinéma français avec Greta Garbo. Cette actrice ô combien séduisante et cette actrice qui a fait beaucoup parler d'elle. On peut se rappeler des moments inoubliables avec elle, ses gestes gracieux, et personne n'aurait soupçonné qu'elle disparût ainsi. Ne nous y trompons pas, elle est carnée. Une divinité divine, et à cet effet, nous lui devons toute notre reconnaissance. Bonsoir. Bonsoir. C'est avec une intense émotion que je vous présente Ex Libris ce soir. Un Ex Libris un peu particulier, car, comme vous le voyez autour de moi, il n'y a pas d'invité. Ils n'ont pas voulu venir d'ailleurs. Un Ex Libris pour moi, qui s'agira de moi. Alors, regardons un peu le personnage. Essayons de cerner la personnalité, ce qui se cache dans le moi profond. Nous allons parler ce soir de ce que pourra appeler l'existentialisme de la personne. Nous allons, à travers l'écriture de ces personnages de la fin du XVIIIe siècle, des personnages sombres, je vais essayer quand même de vous laisser dans le brouillard, un brouillard épais. L'essence même de mon poème se situe dans ces quelques lignes. Je vous les relate. Esquisse raffinément d'une fleur sortie tout droit de la torpeur de l'hiver qui finira dans un balcon dont on ne sait d'où vient la terre. Ô cruel monde qui me fera mourir debout, dit la fleur. Bonsoir. Le temps pour demain. Nous avons décortiqué un peu tout ça. Voyons, regardons la carte. Au nord, de la pluie. À l'est, de la pluie. À l'ouest, de même. Au sud, quelques nébulosités. Et à Toulouse, là, du soleil. C'est ce qu'on appelle le microclimat. Enfin, demain, nous fêterons les Josianes. Bonne fête à toutes les Josianes. J'en connais une qui sera très contente que je lui dise ça. Et ensuite, surtout, n'oubliez pas votre niveau d'huile et votre niveau d'eau. Bonsoir, bon vent. Bonsoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, secrétaire du Parti communiste, je tiens à dire et à répéter que le programme commun de la gauche est pour tous et tous les Françaises et les Français. Qu'est-ce qu'elle demande, les masses laborieuses? Elle demande le plein boulot, le plein emploi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Bonsoir. Je vais vous raconter l'histoire de cette jeune fille qui, pris de désespoir, alla tuer son amant d'un coup de couteau. Et on entendit « Ah ! Mais qu'était-ce ? » Personne n'en savait rien. Cette histoire si sordide fut classée dans les histoires à dormir debout. Malgré ça, elle fut véridique et vraie. Bonsoir. Je suis venu te dire que je m'en vais. Des adieux jamais tout oublié. Tu souviens des heureux et tu pleures. Tu sais pas que tu gémis, tu blémis. Je suis venu te dire que je m'en vais. Si je fais cette chanson, c'est pour Jan. Ah, oh Jan, si tu m'entends. Sache qu'il n'y a pas plus pire que s'empiffrer la gueule. Oh merde! Eh, pomponnette! Eh, dis! D'où tu viens? Eh, garce! Eh, pomponnette! Depuis combien je t'attends là? Ça va faire une heure. Dis! À toi, elle te fait rien, à toi, elle te fait rien. À moi, elle me fend le cœur. Elle me fend le cœur, j'ai le cœur fendu par elle. Oh, Venu, c'est pas que je... Enfin, c'est pas que je veux pas t'annoncer. Mais après, ça me manque à moi. Oui, je viens des visites. Mais je te dis, non, je t'en donnerai pas. Je t'en donnerai pas, n'insiste pas. Laissez-moi vous dire que je suis scandalisé par ce qui est dit à mon sujet. En effet, mettons les choses à leur place. Je suis confortablement installé dans mon fauteuil et je ne compte pas me lever de si tôt. Bonjour, monsieur le voyageur. Vous pouvez entrer dans ma agréable demeure. Vous y trouverez tout ce que vous voudrez. Ensuite seulement, vous goûterez mon poulet au gingembre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, la reine d'Angleterre est en train de chausser ses petits chaussons. Elle descend tout doucement. C'est vraiment incroyable. Personne n'y croit. Enfin... Nous voyons le carrosse se diriger, c'est incroyable. Alors, sur un cheval, il y a Kazakh clair, Kazakh foncé, qui se précipite. Il se précipite vers la... Ah, c'est... Oh, non, oui, non. Et... Oh, la reine d'Angleterre est tombée. Qu'est-ce qu'on voit? Il se rapproche... Non. Oh, on n'en saura pas plus. Pour l'instant, je rends l'antenne à vous les studios.